En manchette, aujourd'hui, bonne Saint-Valentin pour commencer et nouvelles diverses de la MRC d'Autré. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 14 février. Donc, bonne Saint-Valentin à tous les amoureux et amoureuses. On va débuter par des nouvelles qui concernent le domaine municipal, mais par le domaine régional, puis qu'on parle de la MRC. Mercredi soir dernier avait lieu à Berthierville le conseil de la MRC de Dautré. Il y a eu différentes résolutions qui ont été adoptées, dont une qui touchait l'environnement. Donc, puisque la table des préfets de Lanaudière organise justement un événement réunissant les MRC de Lanaudière, événement qui aura pour sujet l'environnement. Donc, et aussi considérant que la table des préfets demande aux MRC participantes de rendre disponibles deux ressources compétentes en environnement, lors de la séance des élus de Dautré, il a été proposé par le maire Louis Bérard, appuyé par son confrère Gaétan Gravel, de nommer Antoine Drainville-Mongeau et André-Anne Bergeron, employés de Lavaltrie, pour participer à l'organisation de cet événement, représentant ainsi la MRC de Dautré, donc à cet événement organisé par la table des préfets de Lanaudière relatif à l'environnement. On en reparlera évidemment plus tard dans un prochain bulletin. Il y a aussi des questions de fibres optiques. La MRC Dautré, on le rappelle, construit un réseau de fibres optiques dans le cadre du projet Dautré branché numéro 2, considérant que ce projet branché numéro 2 a pour objectif de déployer la fibre optique à un plus grand nombre de citoyens de la MRC de Dautré et qu'il est nécessaire pour cela d'acquérir de la fibre optique afin de pouvoir mener à terme la construction de ce réseau de fibres optiques. Voilà. Il a été proposé par le maire Mario Frigon, appuyé par son confrère Alain Goyette, d'autoriser le directeur général de la MRC à procéder à l'achat de fibres optiques auprès de l'entreprise Connect Télécommunications Solutions pour un montant de 24 937,50 $, incluant les taxes, conformément à la soumission reçue. La dépense sera faite à même le fonds général de la MRC, partie 1, comme on dit, et la MRC dispose, nous dit-on, des crédits suffisants pour cette dépense. Il y a aussi été question de transport en commun. À ce sujet, il y a eu une nomination au comité consultatif de transport, donc représentant les personnes handicapées Paul Brandon, considérant la composition du comité qui est déterminée par résolution et considérant qu'il y a un siège réservé pour un représentant des personnes handicapées pour chacun des pôles, donc Brandon, Lavaltrie et Berthier. L'Association des personnes handicapées de Brandon a recommandé la nomination de Peggy Lebel. Et donc, il a été proposé par Lisette Falker de Lavaltrie, appuyée par Dominique Perrault, le maire de Berthierville, de nommer Mme Peggy Lebel, membre du comité consultatif de transport de la MRC de Dautré, à titre de représentante des personnes handicapées du pôle Brandon, et ce jusqu'au 22 novembre 2023, c'est sujet à renouvellement. Il y a également été question de développement économique, une nomination au comité d'analyse de la politique de soutien aux projets structurants. Donc, on cherchait un représentant des citoyens pour le pôle Berthier, considérant donc qu'il y avait un siège vacant à ce comité d'analyse de la politique de soutien aux projets structurants. Le siège vacant est destiné à un représentant, on l'a dit, d'un citoyen, là, représentant les citoyens du pôle Berthier. Il a été proposé par le maire Louis Bérard, appuyé par son confrère Dominique Perrault, de nommer Christiane Ducharme, membre du comité d'analyse de la politique de soutien aux 25 projets structurants, donc aux projets structurants, à titre de représentante des citoyens pour le pôle Berthier, et ce jusqu'au 22 novembre 2023. C'est aussi sujet à renouvellement. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon de la MRC de Dautré. On vous présente maintenant un extrait de l'entrevue que CTRB a réalisée avec Sleepy Flamand,
chef du conseil Atikamekw de Manawan, suite à une conférence prononcée à la Chambre de commerce du Grand Joliette la semaine dernière. Miascom Sipi, ce qui signifie « à la rencontre de deux rivières », est originaire donc de la communauté Atikamekw de Manawan. Titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval, il est présentement chef au sein de sa communauté et candidat à la maîtrise en gouvernance autochtone à l'École d'études autochtones de l'UQAT. Son projet de recherche se concentre particulièrement sur la philosophie politique autochtone, la gouvernance et sur l'autodétermination au sein de la nation Atikamekw, qu'il dirige. Antérieurement, il a été porte-parole pour le réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador. Il est aussi un militant à la défense des droits des peuples autochtones et de leurs territoires ancestraux. Il a d'ailleurs travaillé à Femmes autochtones du Québec incorporées comme analyste juridique et politique. Sipi Flamand s'est également impliqué dans le réseau international de création audiovisuelle autochtone depuis 2015 en tant que chercheur communautaire. L'implication communautaire et sociale est primordiale pour lui et ce, selon les valeurs et les principes traditionnels autochtones, visant la résurgence et la réappropriation de l'identité culturelle dans la pratique de la gouvernance. Il a répondu à quelques-unes de nos questions. On l'écoute. Je suis en compagnie de Sipi Flamand, qui est le chef Atikamekw, c'est bien ça, à la réserve de la Manawan. Aujourd'hui, vous avez fait une conférence à la Chambre de commerce de Joliette. C'est important pour vous, justement, c'est une nouvelle façon d'approcher le milieu des affaires, de vous faire connaître. Vous êtes en mission, vous vous sentez comme ça? Effectivement, c'est important de créer des rapprochements de même pour pouvoir échanger ensemble, partager nos expériences, nos savoirs, mais aussi nos histoires sur nos relations du passé, mais aussi ce qu'on doit définir ensemble. C'est ça. Donc, on est dans une phase de réconciliation. Comme vous avez parlé, il y a eu des événements qu'on a eu aussi ici à Joliette. Mais je vais vous dire, c'est pas un reproche. Vous êtes jeune. Qu'est-ce qui a motivé votre nation, de vous élire comme chef? Ça s'est fait avec un concours de circonstances. C'est quoi qui vous a amené à avoir cette position-là au niveau de la réserve? Je pense que les gens voulaient apporter du changement dans la communauté, mais aussi dans les rapports avec l'extérieur. Puis ils ont choisi un jeune leader pour pouvoir exercer cette responsabilité-là. C'est beaucoup de responsabilité. Effectivement, c'est beaucoup de responsabilité, mais j'ai une bonne équipe derrière moi. Vous avez une bonne équipe. Ouais. La question qu'ils ne vous ont pas posée, moi, je vous la pose tantôt, d'après la conférence, vous vous voyez où dans 5 ans? Comment vous voyez Manawan? Est-ce que vous dites, oui, vous croyez au partenariat, vous croyez à un développement économique important? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes encore dans cette réserve-là. Mm-hmm. Bien, je crois au dialogue, mais aussi au rapprochement, puis à la réconciliation. Mais pour pouvoir aller dans ce sens-là, il faut commencer à dialoguer ensemble, puis développer des projets ensemble pour atteindre la prospérité, mais aussi l'espoir pour nos jeunes. Donc, les jeunes, vous avez comme espoir, vous êtes un porteur d'espoir pour dire aux jeunes, vous allez, regardez, je suis là, je vous amène, je vous entraîne dans un mouvement et on va devenir prospère, on va s'impliquer tant au niveau économique que culturel et tout dans la région. Effectivement, c'est une démarche à suivre, mais aussi, c'est aussi la volonté des gens d'aller vers l'avant pour des projets d'envergure qui vont générer de l'économie pour la communauté, mais aussi pour la région. Pour la région. Donc, vous êtes nommé pour par année, c'est à tous les ans que vous avez à renouveler votre mandat ou c'est un mandat qui est à long terme? C'est un mandat de 4 ans que j'ai. Donc, vous avez 4 ans pour réaliser tout votre livre, tout réaliser vos choses, c'est ça qu'on comprend, non? Effectivement, j'ai 4 ans pour réaliser ce vaste chantier. Ce vaste chantier-là. Vous avez beaucoup d'aide de la part de votre communauté, les gens sont derrière vous, ils veulent je ne veux pas dire se battre, mais ils veulent progresser, ils veulent s'améliorer. J'ai le soutien de la communauté, puis dernièrement, on a fait un forum communautaire, puis la communauté était présente pour nous donner des éléments dans quel... Un plan d'action. Ouais. Un plan d'action. Mais félicitations, on vous apprécie beaucoup, puis on espère vous revoir. Venez nous voir dans le coin, ça nous fait plaisir. Merci.
CTRB vous présentera la semaine prochaine la conférence qu'a donnée justement Sipi Flamand, chef du conseil des Atikameks de la Manawan. Donc, c'est à suivre. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En cette journée de la Saint-Valentin, voici donc les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Louise Destrompe et à Michel Bonnet. Le Centre d'action bénévole d'Autré souhaite bonne fête à Roger Durham. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On rappelle maintenant la collaboration entre CTRB et le Frontenac, la salle de réception. Donc, le Frontenac qui est de retour avec une nouvelle programmation et CTRB est heureuse de s'associer avec le Frontenac et de faire tirer une paire de billets pour les deux prochains spectacles. Premièrement, on va parler du premier spectacle. Il aura lieu le 11 mars, donc le prochain tirage, ce sera celui du 11 mars. En vedette, la musique rétro, le groupe The Mels, donc 11 mars. Il faut que vous appelez au 450-836-5103 et indiquez votre nom et votre numéro de téléphone. Le tirage aura lieu jeudi, donc avant le spectacle, jeudi avant le spectacle, et non jeudi cette semaine. Donc, le spectacle, on le rappelle, le 11 mars. Le second spectacle, lui, aura lieu le 1er avril. C'est un hommage à U2. Donc, on vous en parlera un petit peu plus tard. Et donc, on vous invite à téléphoner pour avoir une chance de vous mériter l'une des paires de billets. Pendant la relâche scolaire, la Maison du pain d'épices, située à Saint-Jean-de-Matha, vous convie à une programmation bien garnie. En effet, quoi de mieux que de se retrouver avec nos enfants ou petits-enfants pour réaliser une activité littéraire et gourmande. Une expérience qu'on dit parfaite pour les apprentis gourmands et les curieux. CTRB a rencontré Eva et Noé, deux participants à ces journées ludiques, accompagnés de Isabelle, leur maman. Les trois nous parlent de la Maison du pain d'épices. On écoute un premier extrait. C'est en compagnie de Noé, Eva et Isabelle. Isabelle, tu es la maman de ces deux beaux intervenants, des deux beaux jeunes ici. Exactement. Et tu es aussi administratrice pour la Maison pain d'épices, c'est bien ça? Exact. À Saint-Jean-de-Matha, c'est bien ça. Je pense que c'est Eva qui est capable de nous parler. C'est quoi là? Parce que moi, je suis... La Maison à pain d'épices, là, il fait manger, on trempe dans le lait, puis l'histoire, c'est ça, oui. C'est quoi l'histoire de la Maison de pain d'épices? La Maison à pain d'épices, c'est un organisme qui a pour but d'aider et de soutenir les jeunes dans leur, apprentissage. Ça, oui. Notamment une bibliothèque avec plusieurs livres variés.
OK. Et il y a aussi des ateliers. Pourquoi ils ont appelé ça la maison en baie d'épices? Est-ce que tu sais? Mais en fait, toutes les activités, la décoration, l'éducation part du bonhomme pain d'épices. Dans le fond, okay. Il y a toujours un lien avec pain d'épices. Et aussi, ils fabriquent de délicieux biscuits pain d'épices qui sont vendus un peu partout. C'est une source de financement. Exactement. Vous avez beaucoup d'implications parce qu'on vous voit, par exemple, au marché à Joliette, là, quand c'est le marché de Noël. C'est la cause bénéfice du marché de Noël de Joliette. Tu vas souvent à la maison pain d'épices? Oui. Puis, t'aimes ça? C'est quoi qui t'a amené là? C'est maman qui a dit, oh, on va aller voir ça, on va aller voir qu'est-ce qu'il offre comme service? Ben, maman, c'était une amie de la personne qui a la maison du pain d'épices. OK. Puis, c'est quoi qui t'a amené le plus faire quand tu vas là? Ben, lire les livres. Ah oui? Oui. Tu vas lire, tu vas t'installer, tu fais de la lecture, tu es une grande liseuse, comme on dirait. C'est quoi tes choix de livres que t'aimes là? Ben, il y en a quand même beaucoup, là. Est-ce que c'est des choses que tu ne retrouves pas à la bibliothèque que tu vas chercher ou ça, c'est en complément avec ce que tu as à la bibliothèque de l'école ou de la municipalité? Ben, c'est un complément, là. Donc, puis toi, qu'est-ce que tu vas faire, mon beau nourrir à la maison de Pédédis? Ben, moi aussi, je vais lire. Tu vas lire? Puis c'est important pour toi, la lecture? Oui. Oui? C'est quoi les choses que tu aimes plus lire? Les BD. Des BD, c'est quoi ta BD préférée? Il y en a beaucoup, là. Les Tintins, les Astérix? Les Tintins. Les Tintins? Pourquoi t'aimes Tintin? Ben, parce que c'est de l'action. OK. Puis les personnages, je les aime. Oui. Et avec les cheveux, je t'ai pas dit, t'es un petit peu peignée comme Tintin. T'as un petit look journaliste, un petit look aventurier. T'aimes ça, t'as-tu de voir ça? Est-ce qu'il y a d'autres BD que t'as découvert, que tu ne connaissais pas, puis que t'as dit, j'ai bien aimé? Ben, moi, j'aime beaucoup les mangas. Oh oui! Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est japonais, hein? Ouais. Puis, tu commences par à l'envers. Ouais. Quand tu dis ça, comment tu trouves ça, lire ça par à l'envers? Parce que, tu sais, on est habitué de lire un livre comme ça, pour dire de droite à gauche, mais là, tu commences à la fin, puis tu le ramènes. Est-ce que c'était difficile d'acquérir ça? Non, je me suis habituée rapidement. Puis, ça parle de quoi, tes mangas, quand tu en parles? D'action. Puis, d'aventure. Plusieurs activités seront offertes lors de cette semaine particulière. Eva et Noé nous parlent maintenant des activités et une en particulier où ils seront les animateurs. On les écoute. Là, il va y avoir la semaine de relâche. Qui est prêt à venir me parler un petit peu des activités que vous allez faire à la fin de la semaine de relâche? Moi. D'accord, vas-y. On va faire une activité vendredi le 3 mars 2023. Oui. Puis on va faire de l'animation. OK. On va faire des biscuits à des savons. OK. Avec des épices. OK. Puis après, on va déguster des biscuits. Ça, je pense que c'est important, hein? Déguster des biscuits. Tu as l'air d'avoir une belle collection de biscuits avec toi. T'en as-tu toujours à la maison, des biscuits comme ça? Souvent. Et est-ce que maman peut nous aider ou c'est Noé qui va nous dire, est-ce que c'est ouvert à tous? Comment? Je pense qu'il y a d'autres activités, à part le 3 mars, par exemple, Noé, peut-être que tu peux même... Parce que le 3 mars, c'est Eva et Noé qui vont aider à l'animation de l'activité, puis ça va être des savons aux épices équitables, parce que c'est des biscuits aussi qui sont équitables. Parfait. Donc, il y a d'autres activités. Est-ce que tu veux nous dire c'est quoi les autres activités qui sont animées par d'autres personnes? Il va y avoir le 25 février avec France. Le 5 mars. C'est quoi qu'on fait avec France? Ils vont visiter la maison du pain d'épices, aller à la bibliothèque. Okay. Ils vont lire le livre Paddington à Londres. Oh. Du bricolage Garde du Roi, un atelier Le Clown, puis des décorations de biscuits. Est-ce qu'il y a une autre journée, qu'il y a d'autres activités? Oui. Là, le 5 mars avec Patricia, visite de la maison, la bibliothèque. Lecture Paddington au Pérou. Oh! Bricolage des lamas. Atelier île aux saveurs. Puis encore des décorations de biscuits. Ah, ben c'est très bien. Donc, toute la semaine de relâche,
Il y a des activités. Il y a des activités. En fait, est-ce qu'il en reste une dernière, oui, à mentionner? Non. Ça, c'est les activités qui vont avoir lieu. Il y en a qui sont pendant la semaine de relâche de la commission scolaire des Samars. Okay. Et il y en a qui sont pendant la semaine de relâche des affluents. D'accord. C'est pour ça qu'il y a deux dates différentes. Exactement. Puis les dates, vous pouvez aussi les retrouver avec les descriptions sur la page Facebook de la maison Pain d'épices. Comment vous trouvez ça, animer un atelier? Est-ce que ça te stresse? Est-ce que tu as hâte d'animer un atelier? Ben, j'ai hâte. Puis on en avait déjà animé une, ouais. C'était un lui. OK. Bon, puis avant, on en a fait du un. OK. Puis là, tu as d'autres amis qui vont venir te voir pour que ce soit toi le présentateur là, pour cet atelier-là? Ouais. C'est bien. Ça s'adresse à quel âge? Ça s'adresse pour les jeunes de 4 à 11 ans. Et est-ce qu'on doit s'inscrire avant? On doit, c'est gratuit, mais il faut réserver sa place parce que les places sont limitées. Encore là, toutes les informations avant là, sur le site. Exactement. Avant le 20 février. Avant le 20 février. Donc, il faut se dépêcher. Là. C'est la semaine prochaine, il faut tout faire ça. Et la maison PDP, ça s'adresse prioritairement à la Matawinie? Non, c'est vraiment ouvert à tout, tous les enfants de la Naudière. On demande que les enfants soient accompagnés d'un adulte. Okay. Donc, ça peut être une belle activité pendant la relâche avec notre enfant ou avec notre petit enfant aussi pour les grands-parents. Ben oui, parce que c'est toujours la semaine des grands-parents. Là, on a toujours beaucoup. Les grands-parents sont mis beaucoup à contribution là, dans ces semaines de relâche. Donc, comme ça, je te félicite de t'impliquer comme ça dans une belle organisation. Est-ce que tu aimes ça faire ça? C'était la première fois que tu vas faire un atelier? Mais ça va pas être la première fois, je l'ai déjà fait une autre fois, mais oui, j'aime ça. T'aimes ça? Puis toi, Eva, t'aimes ça? Tu disais que t'aimais ça, faire des choses comme ça. Qu'est-ce que ça t'apporte de t'impliquer comme ça dans un organisme? Moi, j'aime ça parce que ça m'apprend des choses. OK, c'est bien. Bon, ben je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. On a-tu d'autres choses à rajouter? Merci. Bien, il restera la dégustation de biscuits. Ah, bien, ça, sans problème, ma chère. Surtout des biscuits comme ça, là. Les biscuits au gingembre, je faisais ça quand j'étais jeune. Trempé dans un chocolat chaud ou dans un café. Un bon verre de lait. Tu choisis tes bonbons, hein? Bon pain d'épices. Merci. Donc, si on résume, plusieurs activités vous attendent à la maison Pain d'épices à Saint-Jean-de-Mata. Vous pouvez aller vous inscrire en visitant le site Internet de l'organisme ou en leur envoyant un courriel paindepices@explorenet.ca. Toutes les activités proposées à la maison Pain d'épices sont gratuites avec la contribution. On vous invite à faire une contribution volontaire à la tirelire solidaire de l'organisme ou en achetant des produits à sa boutique. Café et thé seront disponibles sur place moyennant quelques sous. Voilà, c'était pour la maison Pain d'épices. On termine nos informations en vous parlant de la pourvoirie Roger Gladue. On nous indique aujourd'hui qu'en raison de la météo, qui n'a pas été toujours du bon côté cette saison pour la pêche blanche, en l'absence de froid intense aussi, les nombreux redoux et les épisodes de pluie qui ont nui à l'aménagement des chemins de glace. Donc, on ferme le tout avec ces températures clémentes pour les prochains jours. La pourvoirie Roger Gladue annonce qu'elle a dû remonter les cabanes de pêche sur la terre ferme. Cela dit, il est toujours possible de faire de la pêche blanche sur le chemin en face de la pourvoirie, mais celui-ci est uniquement accessible à pied. Donc, on est prudent. Allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autré. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant.
au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 6 février. À 76 ans, est décédé M. Denis Filot, époux de Jocelyne, Jocelyne Champagne, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa fille Caroline, il laisse dans le deuil, sa fille Audrey Filot, Sylvain Saint-Yves, sa petite-fille, Amy Filot-Rebman, Jean-Christophe Blain, son arrière-petite-fille Mia Filot-Blain, son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses nièces, neveux, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité au columbarium du complexe F-Thériault, à Berthierville à une date ultérieure. À son domicile, le 8 février, à 46 ans, est décédé M. Benoît Laforêt, fils de feu Jean Laforêt et de Joanne Gervais, Normand Massy, demeurant à Montréal, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, sa sœur et son frère, Geneviève Massy, Jason Valiquette, Adam Massy, Marie-Pierre Lajoie, ses neveux et ses nièces, Ryan, Amy, Charlie, Emma-Rose, Léo et Émile. Ses oncles et ses tantes, Christian Gervais, Christiane Gervais, Chantal Gervais, Jean-Paul Mathias, Jocelyne Massy, Paolo Garafono, ainsi que ses cousines, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Lanaudière, de Saint-Charles-Borromée, le 8 février, à 71 ans, est décédée Mme Marguerite Gravel, épouse de Alain Rémillard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Hugo Rémillard, Geneviève Lessard, Patrick Rémillard et Magali Rémillard, sa petite-fille Noémie Rémy, ses petits-enfants Angélique et Élie, ses filleuls Sylvie Robert, Martin Majot, Julie Gravel et Marie-Ève Gravel, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Robert, Jean-Pierre Gravel, Monique Champagne, Marcel Gravel, Monique Sylvestre, François Gravel, Lisette Beloin, Claude Rémillard, Solange et Carmen Rémillard, Francine Rémillard, Diane Rémillard, Jacques Lebeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 17 février, 19h à 21h, et samedi, dès 13h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage à la chapelle du complexe suivra à 16h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 4, un temps ressenti de 1. Mardi soir, c'est des passages nuageux, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 6. Mardi nuit, c'est un ciel variable, une température de moins 6, un temps ressenti de moins 10. Mercredi matin, c'est de la pluie verglaçante, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 7, moins de 1 mm de pluie. Mercredi après-midi, c'est de la faible pluie, une température de 5, un temps ressenti de 2. Environ 2 à 4 mm de pluie. Mercredi soir, c'est de la faible pluie, une température de 5, un temps ressenti de 1. Environ 1 à 3 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci Alexandre. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce jour de la Saint-Valentin. Alain Bellumeur au pupitre qui vous souhaite une bonne fin de journée sur nos ondes et on se revoit demain pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB. Au revoir.